La mer des Caraïbes et ses îles constituent un immense espace à découvrir pour les voyageurs en quête d'aventure. Un peu à l'écart de l'arc antillais, entre le Venezuela et la Colombie, se trouve un chapelet de trois îles de culture hollandaise. En abrégé, on les appelle les ABC. A pour Aruba, B pour Bonaire et C pour Curaçao. Je vous propose de découvrir la plus à l'est, Bonaire. C'est parti pour le sommaire. À Bonaire, on œuvre depuis longtemps pour la préservation de la nature. La Fondation pour la restauration du corail souhaite que les générations futures puissent profiter d'un environnement marin enrichi. À terre aussi, une grande partie du territoire est protégée. Une destination qui favorise le tourisme durable. Nous arrivons en voilier dans l'immense baie de la capitale où nous avons la chance de trouver une bouée d'amarrage puisque les mouillages sur ancre sont interdits sur toute l'île. Régulièrement, les croisiéristes débarquent, malgré tout le nombre de visiteurs reste raisonnable. La petite ville est charmante avec ses maisons de style hollandais avec juste une touche caraïbe aux couleurs bonbons. Ce monument comporte une capsule scellée avec des documents décrivant l'état de Bonaire en 2002. En 2042, elle sera rouverte pour mettre à jour son contenu. Une des démarches qui rend la population locale très fière de son île. Les lacs peu profonds situés de part et d'autre de l'île abritent l'animal emblématique de Bonaire, le flamant rose. On en trouve un peu partout. Il convient de rester à distance pour respecter leur caractère sauvage et ne pas les effrayer. Les yeux pleins de flamants, nous poursuivons en compagnie de nos amis québécois par l'exploration des sites de plongée, l'activité phare de Bonaire. Un pass forfaitaire nous donne accès en toute liberté au parc maritime et terrestre. Un pick-up chargé des équipements et nous voilà partis plonger sur les nombreux sites accessibles depuis le rivage. Au nombre d'une centaine, ces sites sont parfaitement signalés. Sous l'eau, on trouve plus de 57 espèces de coraux et 300 espèces de poissons. Ceux qui préfèrent le snorkeling, pas de problème, ils peuvent aussi aller nager avec les tortues. Incontestablement, Bonaire est un paradis pour les plongeurs indépendants. Dans la plus ancienne commune de l'île, on trouve une distillerie extrêmement rare qui produit une liqueur à base de cactus. La dégustation d'une gamme complète de saveurs allant du piquant au sucré permet de se faire une idée de ce breuvage. Cette visite nous apprend l'incroyable processus du cactus liquide. À Bonaire, un passage par le parc Washington est incontournable.
Dès l'entrée, une petite exposition présente les différentes espèces du site. Le paysage est un maquis de cactus et d'arbustes piquants. Le front de mer aux roches volcaniques incrustées de fossiles surplombe des eaux cristallines d'une beauté époustouflante. Le site est habité uniquement par les iguanes, les cabris, sans oublier les nombreux lézards à la queue verte. Une nature sauvage et protégée qui fait de Bonaire une île unique aux Caraïbes. Sur la route du Sud, nous découvrons ces mini-maisons alignées en rang d'oignons. Elles datent de l'époque de l'esclavage. Les esclaves y étaient logés dans une seule pièce si petite que l'on ne peut y tenir debout. Ils travaillaient aux salines, principale richesse de Bonaire, un lieu très esthétique et photogénique. Des obélix guidaient les navires vers les lieux de production pour leur chargement. Bonaire, c'est surtout une nature préservée, domaine entre autres des ânes sauvages et des perroquets. Les paysages sont arides et les cactus si abondants qu'ils servent parfois de clôture. Plus de 20% des terres de l'île et 100% des eaux sont des parcs naturels protégés. Les autorités de l'île ont un engagement sérieux envers la protection de la nature. Une île où on se soucie vraiment de l'environnement, ce qui est tellement indispensable de nos jours.